je ne sais pas, prochainement, qu'ils changent ce système. En fait, qu'ils aient plus besoin de m'offrir quoi que ce soit, puisqu'en fait, ils mettent à jour mon compte pour que mon compte contienne de base tous les skins du jeu, si tu veux. Et donc, l'idée, c'est que comme mon compte contient de base tous les skins du jeu... Attends. La vidéo que tu es sur le point de regarder est issue d'un live Twitch. Rejoins-nous tous les soirs à partir de 22h pour des games de folie, et c'est peut-être toi qui choisiras le prochain champion. Regarde donc dans la description, et à ce soir sur Twitch. Victoire. Les poubelles. Merde, c'est lundi. Ah bah du coup ça y est, je vais pas être capable de bien jouer. Ah non. Ah c'est foutu. Attendez, est-ce que mes comptes sont bons là? Si jamais je fais que win, on arrive GM avec pile 50% de win. On fait ça. T'en fous, ils font grève. Pas chez moi, hein. Ils font grève que dans les grandes villes, en centre-ville. Hein. Pas dans les villes moyennes et en agglomération. Enfin, du moins, la semaine dernière, elles sont passées. Lundi dernier, elles sont passées, les poubelles. Ouais, c'est Varus pour voir le build. J'ai pas mal joué Varus la dernière fois. C'était quand? C'était samedi. Vendredi. Jeudi ou vendredi, on a fait une ou deux games de Varus assez scandaleuses. Moyen qu'elles arrivent sur YouTube dans pas longtemps. Lance-les dans le jardin du voisin chiant. J'ai un seul voisin, je suis Gurim. On a un jardin commun. Et c'est mon propriétaire. Donc, chaud. C'est qu'en région parisienne, les poubelles, ok. J'avais entendu dire que c'était dans d'autres villes. Si, il me semble qu'à Lyon, c'est le cas aussi. Ma sœur a vécu à Lyon et elle m'a parlé des poubelles. T'as pu finir le pass plus vite, car quand tu reprends le jeu après quelques mois d'absence, on te donne 5 niveaux gratos dans le pass. Ah ouais? Ok. J'étais pas du tout au courant de cette affaire. Du coup, il faut avoir 3 comptes. Et tu joues chaque compte. Oh non! Non! Oh oui, Yasuo! L'autre, il a failli prendre mon perso. Ça suffit, hein. Après, la véritaire. J'aurais pris Varus et puis voilà. T'as attendu pour les mettre dans le nouveau pass, tu les as mis dans le nouveau? T'as troll ton message? Attends, mais t'es en train de me dire que t'as gagné des trucs qui permettent de finir le pass d'après, c'est ça? Pas mal de gens de chez De Richebourg étaient en grève aussi, mais depuis peu. Ah, entre en grève! Je t'avoue que je suis incapable de te dire quelle est la société qui fait le ramassage des poubelles par chez moi. Azagi à la place de Zeri, ouais. S'il savait. T'as même la posture. Ah ouais, elle est cool ta posture. T'es en mode super-héros. Niaon. Oh, c'est une... Ah oui, c'est comme Kaïsa. Elle est bien pour la même raison, je comprends. Bon, elle est pas dans le bon sens d'origine, mais elle est bien. Waouh, bah ouais. Eh oui. Beau fessier, mais faut pas le dire. Tout le monde l'a pensé, t'es le seul à le dire, Ibrahim, voyons. Voyons. Personne qu'on connaît en face, cool. Oh là, Harry, top 7000. Rakan, top 8000. T'es à combien d'LP, Guilhem? Ouais, top 8900. Sachant qu'il y a quasiment 25 000, il y a quasiment 25 000 GM. Hein. Ça se trouve aujourd'hui ou demain, il faut 21 points pour être GM. 38. Ah oui, donc ça écrème plutôt vite, quoi. Bon, après, tu me diras, t'es 20 points au-dessus du GM, c'est déjà... Il y a autant d'écart entre toi et l'arrivée en GM qu'entre le Master et l'arrivée en GM, quoi. C'est-à-dire quoi, le 100 sous Vaille? Ça veut dire qu'elle est top 100 sur Vaille. C'est-à-dire qu'il est dans les 100 meilleurs joueurs de Vaille. Selon le compte des points, quoi. Tu vas snipe avec Bob? On a trop hâte. Trop hâte de tomber contre Tayumi. Et regardez ce que j'ai acheté. J'ai acheté un truc qui me permet de faire un cosplay Antoine Daniel. Vous l'avez? Maintenant, on va faire la tier list des villes de France. Du coup.
Kai'Sa, Séraphine. Bon, ça va être moins easy que tout à l'heure, quoi. Ils sont max 107 à jouer Vaille. Ah, mais t'es déjà meilleur que les 7 moins bons. C'est pas mal, c'est pas mal. Tilem, il joue pas au jeu. Quoi ? Pourquoi il joue pas au jeu, mon Rakan ? Ok, il joue au jeu. J'ai failli me mettre en colère. T'es mis à la cigarette électronique ? Ouais. J'ai acheté ce qu'ils appellent des puffs. D'ailleurs, c'est une cigarette électronique jetable. En fait, c'est... écologiquement, c'est honteux, tu vois. C'est un bout de plastique avec dedans du liquide, un circuit électronique, une LED, etc. Et quand t'aspires, paf, ça fait la fumée. Et puis au bout de 2 jours, elle est morte et faut en racheter une, quoi. Donc j'en ai acheté une pour voir si ça m'allait. C'est de la merde. Bah, c'est de la merde, mais plutôt que de mettre 50 balles dans une clope électronique que tu vas pas utiliser, pour tester, c'est pas mal, tu vois. Donc j'en ai pris une, elle m'a fait 2 jours. Pendant 2 jours, j'ai pas fumé. L'air de rien, en 2 jours, j'ai déjà senti une différence au niveau du souffle. Ça m'a convaincu, et puis là, cet après-midi, ce soir, en sortant du taf, je suis allé m'en acheter une. Du coup, je vais essayer de plus fumer de vrais clopes tout court, et puis d'essayer de réduire le taux de nicotine au fur et à mesure. Parce que bon, avec mes collègues qui sont en train de me forcer pour qu'on aille faire de la course, du vélo et de la piscine, là. moi qui suis mort en arrivant au haut des escaliers, je me dis, il faut commencer à faire quelque chose, quoi. Bonsoir, Vinsu. Bonsoir, Darento. C'est un bon début, fier de moi. Merci, merci, je suis fier de moi aussi. Hein. Chaque avancée dans le bon sens est une avancée dans le bon sens. Oh punaise, c'est ça qu'il faut mettre dans le yearbook de ta copine, là. Chaque avancée dans le bon sens est une avancée qui va dans le bon sens. Ça c'est de la citation qui claque. Tu verras vite une amélioration. Bah, je pense, ouais, des témoignages que j'ai eu de gens autour de moi. Oui, parce qu'en fait... la nicotine, c'est pas nocif pour la santé. La nicotine, c'est addictif. C'est ton cerveau, il kiffe ça. Mais ça t'abîme ni les poumons, ni rien. Ce qui abîme dans la clope, c'est le fait qu'il y ait de la combustion. Du coup, ça fasse des goudrons, des charbons, un tas de bêtises comme ça, quoi. Mais la nicotine en elle-même, c'est ok. Donc là, c'est de la vapeur d'eau plus de la nicotine. Oh, bigre, elle s'en sort, Kai'Sa. Comment ça dégoûte. Merci beaucoup, Itachi, pour ton 8e mois d'abonnement. Pour te féliciter, coco chien, coco VI, 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 coco chien, coco VI. Oh là là. Merci Sugarim pour les 50 bits, c'est pour l'encouragement. Par contre, t'as un peu volé la vedette à Itachi. Hein. Merci énormément, Itachi. Elle a un HP, moi aussi. Et ton système nerveux, je sais pas trop. Je me doute bien que la cigarette électronique, c'est plus mauvais que de ne rien fumer. Dans tous les cas, tu vois. Mais ça a l'air quand même assez évident que c'est infiniment moins nocif que la cigarette classique. Donc en fait, si tu peux te servir de ça pour arrêter... Parce que j'ai essayé plusieurs fois d'arrêter de fumer totalement et j'ai jamais réussi. Explique-moi comment gagner avec ton nouveau champion. Faut y aller tranquille. Faut y aller tranquille, faut farmer 2 items et après tuer tout le monde. Hein. Y a une tête de mort sur le liquide. Non, pas sur le mien. Pas de tête de mort sur mon liquide et le vendeur il m'a même montré que tu peux les goûter. Tu peux directement mettre le liquide sur ta langue, il est comestible. T'as arrêté la clope grâce à la mette, perso. Tu m'étonnes. L'effet est beaucoup plus intense et beaucoup plus long. Je suis à combien ? Je suis à combien de quoi ? La nicotine, il y a quand même des effets, mais moindre que la combustion dans la cigarette. Oui, c'est ça. C'est ça. La différence, elle est... Et la différence est forte, quand même. C'est sûr qu'à choisir, il vaut mieux rien fumer. S'il vient de Thaïlande ou de France, le produit ? Non, j'ai pris du français bien cher. Je me suis dit... je mets l'argent, j'ai pris une cigarette électronique à 80 balles. Genre, si je dois me détruire la santé un petit peu, autant le faire avec de la qualité, quoi. Je fume la cigarette électronique pour avoir les poumons bien gras de glycérine, comme ça l'air passe bien dans les poumons. Je pense que c'est mieux quand même, hein, que du charbon. Hein. Ah, de nicotine dans mon liquide 9 mg par millilitre. Tu m'as vu jouer samedi avec Traders. Ouais, samedi j'étais chez mes parents. Et j'ai commencé à être pas bien en me couchant, en fait, j'ai... Allez, on va dire les mots, hein, on va dire les termes, j'avais la diarrhée, tout simplement. Et du coup, je me baladais entre les toilettes et mon lit. Et du coup, plutôt que de juste subir et souffrir tout seul, eh bien, j'ai tout simplement joué à League of Legends Wild Rift.
Voilà, je me roule une clope et on en reparle. Parfaitement, parfaitement. Je ne te jette pas la pierre, Pierre. Tout simplement. 9 pas mal, c'est plus que moi. Ah mais moi je fumais 15 clopes par jour, les amis. Tous les gens que tu connais sont à 12. Bah, j'ai essayé les 20 et c'était trop. Bonsoir Chase. Continue de jouer Zeri parce que j'aime bien. Puis là, je sais pas trop comment je vais pouvoir aider mon équipe. Zaggy, on peut le tuer lui? Non, il a eu le dragon. Ah, j'ai plus de mana, c'est chiant. Pas trop quoi faire pour aider. Je vais mettre un petit Q là. Poink. Oh, l'autre, il veut pas mourir. Poink. Hey, hey! Allez, on se casse. T'as commencé à 12 et maintenant t'es à 3, toi à 6. Bah ouais, l'idéal c'est de ralentir au fur et à mesure pour descendre. Pour descendre à 0 et puis après quand t'es à 0, te passer du truc quoi. C'est le but hein. C'est pour ça que du coup j'ai pris sans goût. J'ai pris goût tabac. Parce que je me suis dit, si je commence à en prendre une à la fraise des bois, acidulée, je sais pas quoi, je vais me mettre à consommer ça comme un bonbon et au final à me balancer plus de nicotine dans la gueule que. Si je fumais des clubs normales quoi. Pourquoi jouer Zeri quand tu peux jouer Morgana APC? Elle était bien ma Morgana APC, on était bien. Hein. C'est un salon du fumeur ici? Non, c'est juste que... Voilà, c'est... C'est mon info du jour que j'ai acheté ça, donc forcément on discute de tout. Et bloqué des 1, t'arrives plus à monter, joue Zeri. Toi t'as pas envie d'arrêter la cigarette électronique, je comprends. Hein. Moi pendant des années j'avais pas envie d'arrêter la cigarette tout court. On a la chance d'avoir la liberté de faire ce qu'on veut avec notre santé. Autant en profiter. Oh, ça me saoule quand ils se mettent derrière les tours comme ça. C'est trop chiant. C'est trop chiant. C'est de pire en pire. En vrai, le truc, c'est que comme tu l'as dit, je la fume du lever au coucher sans aucune interruption. J'augmente un peu à chaque mois. Bah, moi, pour l'instant, après, ça fait un jour. Hein, donc, on va pas commencer à tirer des conclusions. Mais pour l'instant, j'essaie de faire comme je faisais avec les clubs, tu vois. C'est-à-dire, au boulot, je fais une pause le matin, une pause l'après-midi pour aller fumer. Et à la maison, je fume avant le stream, à la pause du stream et après, tu vois. À 11€ le paquet, le prix de la liberté. Cher cette affaire, hein. C'est cher, hein. Tu me subs si j'arrive à venir avec toi. Ce soir c'est tryhard, chef. Donc, tant que je gagne, je garde les mêmes mates. Tant qu'ils ont envie de continuer à jouer avec moi et que je gagne, je garde les mêmes. Sans doute que je jouerai vraiment pas avec tout le monde ce soir, mais... Ah, c'est exceptionnel, je me fais ce petit plaisir. Bon, Trader, il fallait aller jusqu'au bout, elle a flashé maintenant. Attends, mais elle a loupé son flash? Mais c'est n'importe quoi. Ah, sur moi, tu fumes pas dans la voiture ni dans la maison? Ah si, si, si. Ah si, si, si. C'est aussi pour ça que je dois arrêter. C'est parce que ça va pas du tout, ça. Petite précision, la nicotine a quasi des effets pires que la fumée. Si tu veux, c'est peut-être vrai. Mais nicotine plus fumée, c'est forcément pire que nicotine tout seul. Ou serait-ce que pour les poumons. J'ai bien conscience que c'est une solution qui est loin d'être parfaite. Et qu'idéalement, il vaut mieux rien fumer du tout. Je vais clairement pas vous dire le contraire. Ce serait hypocrite. Évidemment. Je vous ai un peu abandonné les copains, mais... Faut trouver sa place. Peut-être trouver ma place. Oh. J'ai cru trouver une place. Et ça, Piu. Oh, ça marche bien. Et ma poteuse à la base, c'est fait pour réduire le taux de nicotine tout en fumant. Plus pour occuper si tu fumes, plus sans réduire, il y a un problème. J'ai pas tout pigé ta phrase, mais je crois que je suis d'accord avec toi. Mec fume, ouais. Bah c'est pour ça que c'est dur d'arrêter. Quand t'es tout seul, que tu décides d'arrêter, ça peut y aller. Mais quand tu vis avec quelqu'un, c'est un espace de travail commun. Arrête de crier ici. Eh oh. Quand tu changes d'équipe, tu restes à DC ou tu changes? Jusqu'à preuve du contraire, je vais jouer Zeri toute la soirée. Hein. Pour le meilleur ou pour le pire. Si ça vous ennuie, je suis désolé. Hein. Désolé, on jouera plein de persos la prochaine fois qu'on jouera à Wild Rift. Mais là, pour une fois, j'ai envie de faire des belles wins, quoi. C'est pas Takaïsa en face, c'est pour ça que tu win. J'attends que tu snipes avec Sugurim. Hein. J'attends avec impatience que tu snipes. Ça va être trop bien. Qu'est-ce que tu fais
Qu'est-ce qu'elle a fait, notre ami Riven là? Qu'est-ce qu'elle a fait, notre ami Riven? Pas clair du tout son affaire, hein. Les seuls autorisés à sniper sont Bob Tracker et Sugarim. Pour les autres, c'est non. C'est toujours illégal. Pas sûr de tag vu que t'es master. Ah ouais, d'autant que je joue avec des GM là. C'est aussi une méthode anti-snipe. Laisse-moi tranquille, Trinda. Oh, une fois que t'as pigé comment utiliser les murs, Zeri, c'est vraiment le perso des murs quoi. Tu veux trio comme le soir, je suis chaud. Bah là, on est en trio avec Trider, c'est Tilem. On a remplacé toi par Tilem. Et il est à peu près aussi bon que toi, donc pour l'instant ça va. Le favoritisme, ah ça favorise de fou là. Non, pas de Pinta, Pinta va tomber contre des énervés. J'ai envie de tomber contre des énervés. Ah. Attends, t'es en train de me dire que Yasuo il m'a jamais ulti là? Ah oh, ça craint hein. Ah alors que peut-être le bisou sur Kai'Sa. Dommage. Tellement d'effets sur Zeri, on dirait que son skin de base est un skin légendaire. Il est cool, hein, mais je pense que je vais m'acheter le skin, là. C'est vrai que Riot, il me donne plus de sous. C'est dommage, mais... Je vais me sentir obligé de mettre des sous moi-même, là. J'avoue qu'il me tente bien, le skin de Zeri. Hein. Alphite est tellement utile comparé à Riven. Oui, Riven, elle est en 0-6, ça sert à rien du tout. Pourquoi, d'ailleurs... Alors, en fait, avant... Donc, pourquoi Riot donne des sous à Riot Partner? Riot donne des sous à Riot Partner pour deux raisons. La première raison, c'est pour faire de la pub à leur jeu, puisqu'en fait, si moi je joue un skin qui vient de sortir, bah, ça vous donne envie d'acheter le skin qui vient de sortir. Et la deuxième raison, qui est un peu la même, c'est pour que je puisse faire des cadeaux à ma communauté, parce que si je fais des cadeaux à ma commu, ça engage les gens qui ont plus envie de rester sur le stream, et qui seront plus à même au final de rester sur le jeu et de donner de l'argent au jeu. Tu vois, c'est un calcul commercial donnant-donnant qui est parfaitement, et qui est parfaitement honnête, si tu veux. Donc avant, il me donnait 5000 Cœur Wild par mois pour que j'en fasse un peu ce que je veux. Soit je m'achète pour moi des nouveaux skins, soit je vous en offre, etc. Il est prévu que dans les jours, mois, je ne sais pas, prochainement, ils changent ce système. En fait, qu'ils aient plus besoin de m'offrir quoi que ce soit, puisqu'en fait, ils mettent à jour mon compte pour que mon compte contienne de base tous les skins du jeu, si tu veux. Et donc l'idée, c'est que comme mon compte contient de base tous les skins du jeu, ils ont plus besoin de me donner de RP. Avez-vous vu ce fight? Ils ont plus besoin de me donner de Cœur Wild, et donc à la place, ils me donnent des codes pour vous offrir des boîtes de skins aléatoires. Donc ils ont arrêté de me donner, à moi et à tous les autres hein, d'ailleurs, ils ont arrêté de nous donner des Cœur Wild et ils nous donnent à la place 5 codes par mois à offrir aux viewers pour avoir des codes de skins aléatoires. Mais ils n'ont toujours pas mis à jour nos comptes et ils savent pas quand est-ce qu'ils le feront. Voilà. Donc la décision est un peu étrange. Un peu étrange. Bonsoir Lenitov, bonsoir Ziram, ça va mieux totalement. C'était beau, c'était pas mal hein. C'était un beau petit fight ça hein. Vous avez compris pourquoi j'ai dit que je voulais juste spam Zeri ce soir et essayer de monter GM? Je me sens à l'aise dessus. Comme sur PC, ouais c'est ça. En fait on aura un compte partenaire où en fait tous les skins du jeu nous seront accessibles sans qu'on les ait. Tu sais comme quand tu peux jouer un champion gratuit de la semaine. Un petit logo dessus qui te dit tu le possèdes pas mais tu peux le jouer quand même. Bah, ce sera pareil pour les skins, à l'exception du fait que ce sera un logo Riot, tu vois. Mais dans l'idée, c'est la même chose. Oula. Merci les shields Rakan. Je joue plus Lilia. Non, je l'ai beaucoup joué sur le patch de sa sortie. Elle a eu un nerf juste après et j'ai trouvé que le nerf était vachement fort. Ce soir c'est Zeri, le perso nul mais qui en fait est bien. Bah, le perso que j'ai mis énormément de temps à apprendre à bien jouer et sur lequel je me sens plutôt à l'aise ces jours-ci, ouais. La preuve. On prend pas trop de risques. Oh, merci. Combien de fois je m'en suis sorti à rien cette game? Le scandale est total, on continue. Oh, j'aurais dû lui laisser les fruits en vrai, j'ai un buff bleu, j'ai du vol de vie. Trider c'est avec nous hein, je suis avec Trider c'est Tilem là. Il a quand même pété notre inhib hein.
T'as quand même pété notre inhib, ce zozo là. C'est marrant parce que Zeri, c'est un peu la même dynamique que Jinx. C'est un perso où faut vraiment rester tranquille en early. Et au bout d'un moment, ça part dans tous les sens. Mais avec Jinx, j'arrive pas à rester tranquille en early, même si je le veux fort. Je grind toujours trop, je fais toujours l'idiot. Alors qu'avec elle, j'arrive à me tenir. Allez savoir pourquoi. Je pense pas que t'acceptes qu'on te vole un mate. Pas trop, non. Surtout que s'il y a possibilité que je me fasse snipe par Traders, j'arrête de jouer. Hein. Il est trop fort. Hein. Il est trop fort. S'il est pas dans mon équipe, je veux même pas jouer, quoi. J'ai ulti un peu pour rien, là. Je vais vous lâcher mon pote. Tout autant que vous êtes là. Lou Kaïsa, là. Xeri, c'est plus fort que Kaïsa. Croyez-vous? Elle est où? Elle a fait demi-tour? 100% la fin de mi-tour, sauf que je suis en ghost en fait là. D'ailleurs, ghost sur les ADC, plus ça va, plus je me dis que c'est trop bien. Hein. Pas scandaleux, c'est aussi de la maîtrise. Une fois c'est de la chance, plusieurs fois c'est du talent. On est d'accord. Très talentueux ce soir. Et oui. Très talentueux. Solo Drake. Solo. On est sur de la bonne game. Hein. On est sur de la bonne petite game sympa. Hein. Faut que j'arrête. Faut que j'arrête, que j'attende que Traders arrive. J'ai plus la vision dessus, va falloir foncer dedans. T'es smité. T'es smité, bravo. J'y vais. J'aurais pas dû. C'est bien fait. Tant que lui. Pas mourir, Trinda. J'ai tué Trinda avec le zap là? Non, pas du tout. Pas du tout. Oh, le plaisir. Non, mais c'est trop bien, hein. Franchement. J'ai mis trop longtemps à maîtriser le perso, mais... Ah bah, c'est mon perso du moment, quoi. Alors, est-ce que ça va être mon nouveau perso préféré? Peut-être pas exagéré, hein. Mais c'est trop bien, hein. Pour croire en ses rêves, je suis qui pour briser ça, honte sur moi? Comment ça? Comment ça? Quel est ton plan? Quel est ton plan, Chase? Un plan, tu me le dis tout de suite. Mais je suis si riche. Je suis tellement sur une ward. J'ai tellement rien à faire d'être sur une ward. Zonia. Pour la sécurité. Parfait. Le Nexus. J'y vais pas tout seul au Nexus. C'est compliqué. Par contre, on peut nash. Moi, j'ai plus besoin de farm, là. Hein. Je suis full stuff, plus 2000 balles. Ah, le Nexus à nous? Oh punaise. J'ai pas vu. J'ai rien vu du tout. J'étais en mode, oh, je suis trop fort sur Zeri. Oh, je gère trop. Avez-vous vu? J'ai même pas vu que mon Nexus, il se faisait enfoncer. Pas bien, hein. Trinda, il a pas ulti. Trinda n'a jamais ulti. Le Pinta. Frappe un Pinta. J'ai pas vu mon Nexus. T'es pas focus. On va perdre une game en 16-1-16. Ça aurait été honteux. Au bout d'un moment, on a la responsabilité de la macro quand même. J'ai pas joué suivant ma responsabilité là. Volonté. C'était pas mal cette année de flasher. Dommage qu'il en ait rien fait derrière. Dommage pour la Serra, elle faisait un bon petit boulot. Bah, tu la connais. Aphrodite, ça me dit quelque chose en vrai ce pseudo? Ça se trouve c'est toi? Non. J'ai cru qu'on allait perdre, heureusement Kriven MVP KDF. J'ai pas vu du tout mec. Franchement j'ai été désastreux là-dessus. Hein. J'ai été easy bronzos. J'ai été gold, platine, tout ce que tu veux. Toi non plus t'as pas vu Traders? Moi j'ai rien vu du tout. J'étais en train de discuter. Il s'est passé quoi? Bah apparemment Riven nous a sauvé la vie. C'est la déesse de l'amour, tu connais un petit peu? Ah ouais. Oui.